Bonjour et bienvenue dans ce top 5 de mes game designers préférés. Numéro 5, Cocorico, à la 5ème place, c'est un Français. D'ailleurs, ce sera le seul de tout le top. C'est Monsieur Bruno Catala. Pour moi, c'est un incontournable. Je sais que beaucoup lui reprochent d'être trop productif. Pour moi, quantité ne rime pas forcément avec mauvaise qualité. Je le vois plutôt comme un horloger qui peaufine ses mécaniques aux petits oignons. Alors oui, parfois, c'est un peu moins bien. Pardon, mais c'est tellement peu par rapport à tous ces jeux superbement travaillés que ça en vaut la chandelle. Je pense par exemple à Five Tribes ou à King Domino pour ne citer que les plus récents. Non seulement j'aime son côté paternaliste et protecteur avec ses co-auteurs, mais j'aime surtout sa manière de sublimer les mécaniques. Et puis quoi qu'on en dise, tous ces jeux sont extrêmement bien calibrés. Et ça c'est important. D'ailleurs, sa manière de travailler et sa patte se ressentent de plus en plus dans ses créations. Et puis arriver à faire l'exploit de réunir dans un même jeu, King Domino, des joueurs plutôt experts avec des joueurs plutôt type famille. Avouez que c'est formidable. Et rien que pour ça, il devait être dans ce top 5. D'ailleurs, dites-moi vous si vous l'auriez mis dans votre top 5 à vous. Commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas. Numéro 4, c'est Alexander Pfister. Si Catala était un horloger, Pfister, lui, est un alchimiste. Son talent, c'est de prendre des mécaniques différentes, de les associer ensemble, de les imbriquer, d'une manière dont lui seul a le secret. Ces trois derniers jeux sont vraiment géniaux, même si on sent que le monsieur se cherche encore. Mais le meilleur est à venir. Et puis il fallait le faire, remettre Carcassonne au goût du jour, en y rajoutant un système d'enchères des plus ingénieux, chapeau l'artiste. Sans parler de Mombasa et de Great Western. Bon d'ailleurs, on va pas reparler, sinon la vidéo va durer des heures. Numéro 3. Alors là, on entre dans le trio de tête, autant dire mes chouchous, avec Andreas Stedin, dont son Hansa Teutonica est rentré directement dans mon panthéon personnel. Et ce n'est pas sale. Un pur jeu d'opportuniste, comme je les aime. D'ailleurs, si toi aussi tu aimes Hansa Teutonica, un petit pouce bleu. Ce que j'aime avec cet auteur, c'est sa vision. Le fait qu'il travaille la même mécanique de jeu en jeu. Son truc à lui, c'est la mécanique dite de majorité. Sublimée dans Hansa Teutonica, mais déjà bien travaillée dans Nuremberg. D'ailleurs, si vous n'avez pas essayé Nuremberg, foncez. Franchement, vous ne le regretterez pas. Système de majorité que l'on va retrouver aussi dans The Stauffer Dynasty. À chaque fois, il retravaille sa mécanique, il explore, et ça pour moi, ça en fait un très bon game designer. Numéro 2. Alors là, attention, on monte d'un cran dans le podium. On se rapproche du totem de la victoire. Et en deuxième position, c'est Vital Lacerda. Je suis tombé sous le charme de cet auteur avec son jeu Kanban, dont la mécanique reflétait parfaitement le thème. D'ailleurs, dans chacun de ces jeux, on sent qu'il s'investit énormément dans de la recherche pour faire correspondre les mécaniques à ce qu'il veut raconter. On retrouve d'ailleurs ce souci du détail dans Vinos, mais aussi dans The Gallerist. Et croyez-moi, j'attends avec impatience son Kickstarter, Lisboa, qui devrait être livré sous peu. Il y a eu un petit peu de retard à cause d'un entrepôt qui a brûlé. C'est pour ça que je déteste les jeux de dés. Hein, vous savez, une chance sur un milliard que ça arrive. Eh ben, c'est arrivé. Numéro 1. Numéro 1 de ce top 5, ce n'est pas un auteur, c'est un duo. Victor Peter et Richard Hamann, les auteurs du génial Tricerion et du sublime Anachronie. Pour moi, ce sont les meilleurs game designers du moment, que ce soit au niveau du thème que de la mécanique qui y est accolée. Il n'y a rien à acheter. Le travail est vraiment sublime, d'un bout à l'autre, de leur projet. Je me suis creusé la tête, hein, pourtant, pour y trouver des points négatifs, des choses à... Non, il n'y a rien à acheter là-dedans. C'est du tout bon. D'ailleurs, impossible de déterminer lequel de leurs deux jeux est meilleur que l'autre. Impossible. Si, si, essayez, vous verrez, c'est impossible. Vous avez remarqué que plus on avançait dans ce podium, et plus la thématique et l'adéquation entre la mécanique et la thématique est devenue importante dans mes choix. Car pour moi, c'est ce qui fait vraiment l'étoffe d'un bon game designer. Ça ne va pas être que l'originalité d'un Jvatil, par exemple, ou le talent d'un Boza. C'est aussi cette alchimie magique entre un auteur, sa vision, le thème de son jeu et ses mécaniques. Merci et bon jeu.